Dialogue, ça veut dire qu'est-ce qui est dit derrière ou à travers ce qui est dit. J'exprime quelque chose, mais qu'est-ce que je dis derrière ce que je dis? C'est-à-dire d'essayer d'avoir la conscience de ce qu'il est en train de me dire à travers ce qu'il me dit, et non pas rester au niveau de ce qu'il me dit. Collé devant un dessin animé, tant il était convenu que ça ne dure pas plus de 10 minutes, puis ça faisait une heure, ça commençait à me déranger. D'ailleurs, ça me dérangeait personnellement parce que je voulais utiliser l'écran, et donc je le lui ai éteint d'autorité. Alors ça a été un drame, et puis je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, alors que. En somme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord? Il a 4 ans, mon fils. Et mon interprétation, j'ai eu cette fois-là, pas d'autre fois, mais j'ai eu la présence d'esprit de la retenir. Mon interprétation, c'était, voilà, je lui ai proposé encore 10 minutes, puis c'est fini. Voilà, 10 minutes, ou le dernier, c'est fini. C'est ça que je voulais l'amener à ça, moi. Mais j'ai failli le dire, puis je n'ai pas dit, en somme, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, papa, je voudrais que nous allions jouer au ballon dehors tous les deux. Voilà, alors après, bon, là, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu un moment de flottement aussi, parce que je ne savais pas si on allait s'exercer à ça, s'exercer à déchiffrer, et s'exercer soi-même à parler sans qu'il y ait besoin de déchiffrement. Sans qu'il y ait besoin de... Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je dis? Moi, mon souci, avec mon fils, en tout cas, c'est d'essayer que... Ce que ça veut dire, ce soit exactement ce que je dis. Par exemple, pour un petit déjeuner, ce qui se présente tous les matins, le mot tartine, il va prendre derrière tout ce que ça représente pour elle, qui va changer tous les jours. Moi, je vais entendre le mot et je me dirai, elle a le concept de ce mot-là, et ça veut dire qu'elle veut une tartine, parce qu'elle me dit le mot. Et en fait, non, ce qu'elle veut, c'est tout ce qui va se passer avec, et comment on va le faire ensemble, et ce qu'on va créer ensemble. Ou des fois, ce qu'elle va pouvoir faire et comment moi je vais écouter ça. L'acte de dialoguer au sens de Baum, c'est pas forcément d'être en échange avec quelqu'un, mais c'est de comprendre ce que l'autre dit à travers ce qu'il exprime, mais aussi peut-être me comprendre moi à travers ce que j'exprime, mais ça peut être avec un autre, ça peut être avec deux autres, ça peut être avec trois autres, ça peut être moi tout seul, puisque l'acte de dialoguer, c'est simplement... essayer de voir, d'être un peu plus conscient, c'est simplement augmenter le degré de conscience. Ce qui me venait, c'est qu'effectivement, il y a le dialogue avec les autres, et avec moi-même ou avec soi-même, c'est un peu la même démarche pour pouvoir entendre réellement ce qui est dit derrière ce qui est dit. Et ce qui me frappe le plus, ouais, le langage du corps, pour moi, il est très parlant et très pédagogique à ce niveau-là. Parce que sinon, de toute façon, je sais que j'arrive pas au cœur de ce qui est dit. Ça, c'est son intention, il a dit quelque chose, c'est son intention, c'est ce qu'il a voulu sortir. Est-ce qu'il veut qu'on aille décrypter son corps, son intonation, son... Est-ce que c'est pas extrêmement intrusif, je trouve, cette façon de... Ben voilà, d'aller chercher derrière, quoi, encore, etc. C'est pas toujours obligé de décoder, effectivement, mais c'est juste d'être ouvert, on revient un peu à ce qui était exprimé tout à l'heure, d'être ouvert au fait que, ben... Ça... C'est pas parce qu'une chose est dite qu'il y a un point final. Derrière, il y a encore d'autres choses qui arrivent. La question que je peux me poser, c'est si je parle des enfants, pourquoi je parle de ces enfants et à la limite, qui sont ces enfants dont je parle? Qui veulent sortir d'un rapport de dominance? Est-ce que je vais y arriver? De demander à un enfant de s'habiller pour aller à l'école en lui disant qu'aller à l'école c'est pour son bien alors que lui, il ne le voit pas de cette manière, ça me paraît un peu compliqué. Un jour, à l'âge de 2 ans, je voulais qu'on aille chez le pédiatre parce que je voulais qu'il fasse un diagnostic par rapport à ce qu'avait mon fils, et mon fils ne voulait pas s'habiller. Et je lui ai dit, j'ai regardé la montre, j'ai dit écoute, il est 4h, on a rendez-vous à 4h30. Et là, eh ben, il est devenu coopérant, il s'est habillé. Donc il a compris en fait que c'était important pour moi et aussi pourquoi moi j'y allais. C'est comme ça que je l'ai interprété. Donc ça fait écho chez moi.
Et ce que m'a fait comprendre une amie médecin, c'est l'énergie que tu donnes. Tu lui as dit, il est 4 heures et on a une demi-heure pour y aller. C'est ça, c'est un ton comme ça que tu as dit, très ferme et très... Ben, c'est pas ferme, mais clair. En fait, je lui ai parlé comme si ça allait dire l'heure. On a eu une piste, même carrément, on a eu une question qui a été posée. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Jean-Pierre a posé une question quand il a résumé. Parce qu'on est reparti tout de suite sur autre chose. Est-ce que tout le monde a conscience de ça? Parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment. Pourquoi on n'était pas dans la réponse à cette question? Pour moi, non, mais peut-être c'est juste moi ou pas que moi. Et j'aimerais me lancer la question là-dessus. Parce que moi, ça m'a touché. Est-ce que je suis le seul ou pas? J'ai compris un truc vachement bien, là. Qui sont ces enfants dont on parle? Et qu'est-ce que tu as compris? Que c'est nous. Enfin, pour moi, c'est moi. Quoi. Ce problème de dominance et de dominer, je le projette en plein sur l'enfant. C'est ça que j'ai compris. Bien sûr, mais je voudrais savoir, pour moi, l'intérêt de cette technique, c'est de prendre des consciences de ce niveau-là. Si je reste toujours dans mes schémas et que je fais du dialogue comme je dialogue ailleurs, c'est même pas la peine que je dialogue, quoi, tu vois. C'est sur quoi tu veux avancer dans la vie? Sur la conscience. Vraiment, c'est sur la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience du truc? Échanger, c'est une chose. Discuter, c'est une chose. Et percevoir ce qu'il y a derrière le dialogue et derrière les échanges, c'en est une autre. J'ai perçu qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à chercher ce qu'il y avait derrière les mots et à faire cette chose différente qui ne m'a pas semblé forcément facile. Mais à l'essayer, je me suis senti m'écouter différemment, c'est-à-dire écouter différemment. Et en fait, c'est souvent, et j'ai dû être très pénible pour ça, quand je finissais ma phrase, je comprenais ce qu'en fait j'aurais voulu dire pas avec des mots, ce qui aboutissait à des fins de phrases un peu bizarroïdes. Et souvent, c'était la personne qui a repris après moi, où j'ai réellement compris ce que j'avais essayé de vouloir dire. Au départ. Oui, voilà. Au départ, aussi. Ouais, pour moi, c'était l'inverse. Quoi. Mm-hmm. Le fait de commencer à réfléchir, c'est que c'est au contraire, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de spontanéité, et c'est carrément l'inverse. C'est ça que j'ai vécu, moi.